Bonjour, c'est Mogi. Et coucou, c'est l'aspirateur. Et moi, je suis là contre la volonté de mon plein gré. Ah non. Non. Aujourd'hui, on va vous parler de... De Cast, un jeu développé par Monolith Software. Et fait par Condamène. Oui. Ah non, c'est Mickey Mouse et Donald Duck. On va vous parler de World of... Et... Les... Ouais, bon, ouais. Yeah, donc un super... encore un jeu Disney. T'as vu l'effet 3D là, hein? Et quand même, là à l'époque, on n'avait pas les moyens, mais on avait la technique. Alors que maintenant, on a les moyens, mais on n'a plus la technique. Genre, c'est... Ah bon, c'était mieux de mon temps. Attends, c'est comme un jeu de ouf que... Attends, avant, il y a eu Castle of Illusion... Quackshot, et là c'est Mickey et Donald réunis dans le même jeu. C'est pour faire... Ah, on va essayer de réconcilier les deux. Donc on va voir, donc... Alors, regardez l'histoire, elle parle toute seule. Le mec il s'embrouille, il prend la porte, il se casse, et il tombe dans un trou magique. Ah. Et voilà, il y a un mec qui vient chercher la merde. Bon bah voilà. On n'avait pas besoin d'un... Et puis le scénario commence tout de suite, ça. Ça met pas 15 heures pour savoir que le méchant il est là et qu'il faut aller le buter. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de plateforme qui reprend les bases de... Mario et de Sonic. Mais non, de Donald et de Mickey. T'es bête. T'es bête. Alors vous voyez la petite chenille, elle veut dire coucou, voilà. Ouais, alors ça c'est un truc qui tuait ça. Mais putain de merde, peut-être qu'il se passe des trucs en avant-plan, oui. C'est la même chenille que dans Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Ah, c'est vrai, en plus, bah il doit avoir des... Et bah alors là, il faut préciser. Yeah, donc là en fait on joue à deux, donc moi je joue Mickey parce que j'adore les souris. Et Mogi joue Donald parce qu'il adore les canards. Non, c'est pas parce qu'il adore les canards, c'est parce qu'il adore le canard. Non, quand il... Regardez son bide là, il y a une grosse bedaine, c'est parce qu'il bouffe tout le temps du canard à l'orange, comme ça. Du canard. Alors, bon, pour parler du jeu, alors il est sorti après Castle of Illusion, il est sorti après Quackshot. Alors, il bénéficie de techniques de rendu beaucoup plus abouties que les deux techniques, et pourtant, personnellement, je le trouve un peu moins beau. Que, notamment Castle of Fusion et Quackshot aussi, mais notamment que Castle of Fusion. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je trouve que c'est moins féerique. Le rapport prétention technique qui est plus élevé que dans Castle of Fusion est moins maîtrisé, tu vois. Par exemple, on voit bien qu'il y a plus de détails au niveau des feuilles, tu vois, les racines et tout, mais la palette de couleurs derrière, l'orange comme ça, il manque quelque chose. Le personnage aussi bénéficie d'un petit rendu pastel moins maîtrisé que sur Castle of Illusion. Alors c'est des jeux qui, enfin, ce qui fait que le jeu est un peu moins beau. Au niveau musical aussi, c'est moins bon. Bon, à mon avis aussi, c'est quand on arrive à un certain niveau de performance, on est obligé d'économiser au niveau de la mémoire. Et je pense que la musique, si elle a un rendu plus basique, c'est pour qu'elle... C'est moins travaillé. Mais bon, le jeu reste bon, surtout en mode coopératif. Donc là, vous avez vu, il y a Hugh. C'est l'Aspi qui fait la souris et Mogi qui fait le canard. Et Mogi, bah, il supporte l'Aspi, mais il faut dire que l'Aspi, il supporte Mogi chez lui. Donc c'est un prêté pour un rendu, comme on dit. Le mode coopératif, on peut jouer tout seul et ça se fait très bien tout seul. En coopératif, c'est sympa parce que bon, il y a tous ces délires, ils n'arrivent pas à se synchroniser. Franchement, on voit que votre travail en équipe est pourri, les gars. C'est peut-être un conflit interne entre Mogi et l'aspirateur. Ça apparaît inconsciemment. L'aspi, il veut pas parler, il reste dans sa couette. Et c'est parce que voilà, on vient de se réveiller. Hier, ils m'ont fait travailler jusqu'à 3h30 du mat ou 4h. Et t'es quelle heure hier? Ouais. Et. On s'est couché à 3h30, 4h. Tu sais qu'il faut parler sur le micro? Oui, je sais, mais parce que j'ai le passe au mauvais moment. Et je comprends maintenant ce qu'il ressemble. Voilà, alors vous voyez par exemple là le tronc d'arbre qui passe et hop, il y a une sorte de barre qui coupe le décor en deux. C'est des petits détails comme ça qui font que ouais, il y a quelque chose de pas régulier et qui casse un peu la continuité du décor. Alors attention là, voilà, attention, on tombe dans l'arbre. Dans Sonic ça s'ouvre, hein, dans Sonic 3, mais là ça s'ouvre pas tellement c'est nul. Alors attendez, tiens. Le téléphone qui sonne. Yeah, donc en fait le jeu, que dire sur ce jeu à part qu'il est... Enfin moi personnellement graphiquement j'aime beaucoup. C'est
Enfin, moi j'aime beaucoup le style, je l'aime beaucoup. Je préfère quand même, moi, un peu le style plus féerique, plus chatoyant de Castle of Illusion. Mais celui-là, je l'aime beaucoup aussi. J'ai vraiment des préférences. J'aime beaucoup celui-là aussi. En mode deux joueurs, le principe de la coopération est vraiment excellent. C'est un gros point à noter. Bon, là, moi je galère pour faire la coop avec Mogi. Mais ouais, là je galérais. Mais c'est vraiment un gros point positif. Si jamais vous avez des amis, une Mega Drive, deux manettes. C'est vraiment sympa. Ouais, on peut se toucher. Par contre, c'est, on s'enlève pas de vie. On s'enlève pas de vie, mais par exemple, si on est dans un endroit, un moment critique et qu'on tire tous les deux, si on se touche, bah c'est mort quoi. Il y en a un qui est immobilisé. Donc voilà, c'est un petit détail que je trouve marrant moi. C'est après, bon, chacun ses préférences. Ouais, il y a aussi des trucs, enfin, c'est des trucs aussi où on peut se tuer, genre sans faire exprès, genre si l'un fait apparaître un trou devant l'autre et que le deuxième suit, bah l'autre tombe forcément. Donc il faut toujours faire attention là où on marche, c'est parce que l'autre peut en pâtir. Donc c'est mort. Donc c'est vraiment un jeu qui mise tout sur le côté coopératif. Parce qu'on peut tomber dans un trou que l'autre a créé soi-même. Voilà, et bon, on a vu le passage où l'autre il m'a tiré. Donc vous avez vu, au premier niveau, il y avait Mickey qui ne pouvait pas monter. Donc Donald lui a une corde. Vous êtes trop nus, il y avait un passage secret là, vous l'avez même pas vu avec la thune. Non, j'aime la thune. La thune, je l'aurais pris. Ah oui, effectivement, alors là, je devais pas aimer la thune. Bon, vous avez dit quoi? Parce que moi, il y avait mes deux codes. Quoi? Continue tes conneries, on a rien dit. Bah il est bien ce jeu, mais il est moins bien que Castle of Illusion. Regardez là, le passage secret là, il y a deux sacs, vous voyez rien. Mais vous êtes vraiment des pigleux, ça m'énerve quoi. Non mais c'est un... Parce qu'on va arriver loin. C'est pour ça, on va arriver. Ah vite, il faut arriver au niveau d'après. Parce que comme ça les gens ils verront plus de niveaux. Donc parce que tellement on s'arrête au niveau secret. Enfin au truc à prendre. Moi j'en voyais moins de trucs. Au niveau de la maniabilité, je trouve qu'il est un petit peu moins fluide que Castle of Illusion, ouais. Voire même que Quackshot, il y a quelque chose de plus frais. Il est beaucoup plus casse-gueule. Donc c'est bizarre quand même parce que on voit Castle of Illusion qui est parfait, on voit Quackshot qui est un tour en dessous mais qui reste très bien. Après World of Illusion, ça descend un peu. Mais peut-être que c'est peut-être pas fait par les mêmes mecs. Et attends, il y a encore un autre truc, c'est pas Legend of Illusion mais c'est Non, une suite de trucs of Illusion quoi. Et alors là il est pas, je dirais pas qu'il est catastrophique, mais on sent qu'ils sont reposés sur leur laurier et qu'ils font de la thune gratos. Ouais, c'est, y a pas de travail derrière. Ouais, parce que ce soit fait ça par... s'appelle comment déjà tout ça? Bah un autre truc Illusion mais en coopération. Ouais, Land of Illusion ou Jacques Mickey et... Ouais. Ouais, Kebab of Illusion, enfin un truc comme ça. Les Mickey Mania, non? Non, vraiment un truc off. Ouais. Ah, il y en a d'autres, hein, et des pas bons, hein. Là, je pensais qu'il y avait que ces deux-là, moi. Non, et puis il y a Fantasia aussi. Fantasia était hardcore. Ouais, voilà, à cause de la maniabilité, notamment. Aussi. Et il est plus vieux que Castle of Illusion. Ouais, il était vieux, il était de 90, hein, enfin, je m'en rappelle plus. Mais je sais qu'il était hardcore, il était hyper dur, mais à l'époque, il était beau aussi. Bah ouais, mais ouais, voilà, bon, il y avait un rendu sympa pour Evopof. Donc là c'est genre ça. Ah, c'est curieux là, c'est là on dirait, enfin sans vouloir faire le mec qui est critique là, on dirait le niveau avec l'étoile d'araignée de Castle of Illusion. Voilà, donc Laspi vient de se faire avoir par Mogi, son faux frère. Et même pas l'autre il pleure, tu vois. Il continue tout seul. Moi personnellement, quelqu'un me fait ça, quelqu'un qui me dit oh, je suis ton pote, il me fait ça, je le tue. Là je prends la manette, un coup de manette dans la tête. Non mais en plus la manette de la Mega Drive elle est super solide, non? Ouais, d'ailleurs elle reprend les bases de Mario Sonic. Voilà. Et c'est développé par Monolith Software. Oui. Quand on appuie sur les touches, je sais pas, ça fait un son de Sakimoto. Et de Yuzo Koshiro aussi. Qui est derrière son synthé. Donc voilà. Donc sinon on peut voir aussi c'était un jeu qui était, alors moi je l'ai pas fini du tout, je crois que mais il était long, hein, je crois, mais il était non, pas spécialement, en non. Plus t'as un code pour pouvoir reprendre au niveau, on le voit au début, t'as vu, t'as Goofy Dingo qui fait un truc de carte, et je crois que t'as un système de code pour reprendre au niveau où t'étais, comme dans Castlevania 4 par exemple au Pilot Wing. Il y a une option password dans le menu. Non mais remarque, il y a Mickey. Voilà, et donc là c'est bon, le premier boss c'est ça. Alors c'est très linéaire, c'est pas comme dans Castle of Illusion où sur Mega Drive c'était linéaire Castle of Illusion, mais sur par exemple Master System ou Game Gear on pouvait choisir le monde qu'on faisait. Et
si on sentait le courage, on prenait dans un ordre défini, mais si on commençait à accumuler l'expérience de jeu, tout de suite on commençait par des mondes plus durs, c'était plus sympa. On prenait pas sur le tiens, qu'on fasse Shinobi sur Game Gear. Ah, c'est fini! Et puis le revanche de Shinobi sur Mega Drive. Bon, bah, voilà. À bientôt. Voilà, c'était World of Fusion.